Alex Agaz. Très heureux d'être de retour au Canada. Après une semaine où j'ai dû parler tranquillement, articulé, très, très content. Mais sérieusement, merci pour vos prières. Une superbe semaine. On a été invités par l'église Paris-Bastille dans le 11e arrondissement, donc notamment où il y a eu les attentats à côté du Bataclan, tout ça. Donc, on était là. Une belle église et j'ai prêché 4 fois. Pour JAP, Jeunes Adultes de Paris, c'est un ministère de l'Église qui regroupe des jeunes d'un petit peu partout sur Paris qui se rassemblent. Et donc, c'était leur week-end annuel, comme ils disent là-bas, pour les jeunes de 20 à 30 ans. Et vraiment, merci pour vos prières. Vous savez, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Indépendamment de la culture, de l'accent, de la parole de Dieu, Jésus demeure Jésus. Le Saint-Esprit continue de faire sa job, de convaincre de péché, de justice et de jugement, de glorifier Jésus. Lorsque la parole est proclamée, il y a du résultat, il y a du fruit. Et ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Donc, merci pour vos prières. Et c'est une belle opportunité en même temps de créer des contacts avec des ouvriers des églises là-bas en France. On a eu la joie aussi de faire le ministère avec nos amis d'Heroic Nation, de connecter aussi avec les pasteurs Le Fiatre, Fouchy. Et c'est intéressant aussi de voir des gens qui connaissent le portail. Qui connaissent le portail là-bas, des gens qui disent « Bon, mais je prévois venir au Québec, on veut venir vous visiter, on veut… » Donc, créer des liens, et je pense qu'il y a quelque chose de bon là-dedans à ce niveau-là. Donc, merci pour vos prières. Cela étant dit, on continue, on est rendu dans le 8e message, et la semaine prochaine, c'est la conclusion de cette série disciples, grande série visionnaire automnale. Et notre mission, maintenant, vous devez le savoir, c'est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Notre vision, nous prions, nous œuvrons, nous travaillons pour voir 10 sites de l'Église de Portail, 10 000 disciples. Notre plan, c'est d'encourager tout le monde à passer au travers les étapes de la formation de disciples. Jésus a dit qu'on reconnaîtra un arbre à ses fruits, donc tu devrais, si tu crois en Jésus, il devrait y avoir 8 marques dans ta vie. Le disciple de Jésus, c'est l'acrostiche disciple. Donc, premièrement, décide de suivre Jésus. Deuxièmement, il s'immerge, il se fait baptiser au nom de Jésus. Troisièmement, il sert. 4, tu connectes avec d'autres croyants. 5, tu invites ton entourage non chrétien à Jésus. Tu pries, tu lis la parole de Dieu. Et nous allons voir ce matin, le véritable disciple s'engage envers son église locale. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas l'église, parce que la Bible dit que Jésus est mort pour l'église. Donc, tu as besoin d'avoir des frères et des sœurs à côté de toi et être croyant, c'est non seulement suivre Jésus, c'est appartenir à la famille de Jésus. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi, Évangile de Matthieu, 16e chapitre. Un texte bien connu de Jésus, mais souvent on va arrêter assez tôt et on va voir que Jésus, souvent les pasteurs vont omettre des textes, un passage vraiment important sur le texte de ce matin et on va prendre le temps de s'y attarder. Ce matin, je suis content, ça va me permettre de parler de plusieurs éléments concrets de la vie de l'Église, des éléments qu'on n'a pas toujours l'occasion d'enseigner. Et vous allez voir, tout ça est très spirituel. Si vous êtes là, est-ce que je peux entendre un Alléluia? Matthieu 16, verset 13. Jésus parle de l'Église. Donc, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme qui est un titre messianique. Donc, selon la foule, selon monsieur, madame, tout le monde, c'est qui le Messie? Ils dirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Puis Jésus va leur dire, pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow, ça, c'est un bon coup de la part de Pierre, bravo. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, quand ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oh, beaucoup de stock dans ce passage, beaucoup de matériel. Première chose, je veux déclarer, vous allez être surpris, l'Église a toujours rapport avec Jésus. Tout ce qu'on fait au portail, tout ce que les églises locales font à travers le monde devrait avoir rapport avec Jésus. C'est vraiment important. Et au-delà des noms,
Vous savez, Église de Portail, Église évangélique de la Rive-Nord, au-delà des différents noms, des églises locales, on doit toujours se rappeler que cette église n'est pas l'église du pasteur, elle n'est pas l'église des diacres, elle n'est pas ton église, c'est l'église de Jésus. Elle lui appartient et nous avons le privilège d'en faire partie. Plusieurs années, le pharaon Ptolémée, 3e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'il construisait le phare d'Alexandrie, qui va devenir une des sept merveilles du monde, demande à un architecte reconnu qui s'appelle Sostrate de bâtir le phare d'Alexandrie. Et vous savez, à l'époque, lorsque les rois avaient dans leurs grandes entreprises, bâtissaient des choses immenses, on mettait leur nom parce que ces bâtiments-là étaient à la gloire des rois. Et ce qui est arrivé, c'est que pour Ptolémée, il a demandé qu'il y ait le phare d'Alexandrie, que son nom soit inscrit en lettres dorées. Et l'histoire nous dit que Sostrate le fait, mais ce que Sostrate a véritablement fait, c'est qu'il a écrit son nom à lui, Sostrate l'architecte, dans la pierre. Il a mis une résine, il a enduit la pierre de résine et il a inscrit sur la résine, donc une imitation de pierre, le nom de Ptolémée, le grand pharaon d'Égypte, en or. L'histoire nous dit qu'au travers des années, avec les flots, avec le vent, la résine est partie et ce qui est resté pendant des siècles et des siècles et des siècles, ce n'est pas le nom du pharaon, c'est le nom de l'architecte Sostrate. Ce que nous savons, indépendamment du nom qu'on peut donner à nos églises, ce qui est important, ce n'est pas le portail, ce n'est pas l'Église évangélique de la Rive-Nord, ce n'est pas la Bible parle, ce n'est pas Church of the Harvest, ce n'est pas le Centre évangélique de Laval, ce n'est pas Chapelle, ce n'est pas Nouvelle Vie, ce n'est pas Mosaïque. Tout ça va disparaître. La seule chose qui demeure, c'est l'Église de Jésus. Je bâtirai mon Église. Et comment Jésus bâtit son Église? Avec quoi? Je veux vous entendre. Avec des oui. Jésus bâtit avec des Il bâtit son Église avec des gens. Et pas n'importe quel type de personne. Il bâtit son Église avec des chrétiens engagés. Maintenant, à tort, on a souvent compris ce passage comme si Jésus disait à Pierre, « Tu vas devenir le pape, tu vas avoir la primauté. » Et sur ton ministère papal, l'Église sera bâtie. C'est la théologie de l'Église catholique. Mais quand Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », il y a un jeu de mots, évidemment. Pierre et sur cette pierre. Ce n'est pas l'apôtre Pierre, c'est plus que l'apôtre Pierre. Il s'est passé quoi dans le verset précédent? Il a déclaré que Jésus est le Christ, le Seigneur et le Sauveur. Et en fait, Jésus bâtit son Église, pas précisément sur l'apôtre Pierre. Il bâtit son Église avec des pierres vivantes que sont les chrétiens qui confessent que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose. Jésus bâtit son Église avec des chrétiens engagés, puis il y a des gens de différents arrière-plans qui se joignent à nous. Et je veux dire quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais juste, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les étiquettes. Je ne suis pas fan des étiquettes, mais quelquefois l'étiquette nous aide à comprendre le contenu, l'essence de quelque chose. Et l'Église Le Portail est une église protestante évangélique. Ça veut dire quoi, une église protestante évangélique? Premièrement, nous sommes une église. Alléluia! Nous sommes une église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à une synagogue, à une mosquée, au temple ou à n'importe quoi, ici, nous prions Jésus, nous proclamons Jésus, nous élevons le nom de Jésus, nous bénissons Jésus, nous suivons Jésus. C'est l'Église de Jésus. Donc, clairement, nous croyons que le Sauveur du monde, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Krishna, c'est Jésus-Christ. Nous croyons qu'à part l'œuvre de Jésus, malgré tout ce qu'on peut comprendre, malgré la science, malgré la technologie, l'espoir de notre monde n'est pas dans ce monde, c'est dans Dieu Sauveur qui est venu sur la terre. Okay? Donc, nous sommes une Église. Et une des plus belles définitions de l'Église que j'ai, vous savez, c'est quoi? L'Église, c'est se rassembler avec des gens avec qui on ne se rassemblerait pas si Jésus n'était pas ressuscité. Amen? Il y a du monde, là, je t'aime beaucoup, là, mais sans Jésus, là, on ne se serait pas croisés. Hein, regarde autour de toi, il y a des gens tellement différents, il y a des gens avec différents arrière-plans. Il y a du monde comme, tu dis, OK, non, naturellement, ça ne connecte pas. Hein, comment est-ce qu'on appelle ça? Incompatibilité de caractère. Dans la chair, mais dans l'esprit, nous adorons Jésus ensemble. Ça, c'est l'Église. Et l'Église est probablement
la plus grande diversité démographique de toutes les religions. Si on regarde, regarde dans une mosquée, regarde au temple, traverse là, le temple pas trop loin, là, va voir et tout le monde se ressemble. Dans l'Église de Jésus, tout le monde est différent. Moi, j'aime ça. Donc, l'Église, mais nous sommes également une Église protestante. Ça veut dire quoi? Et là, il y a des gens peut-être que tu es choqué. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, puis j'ai commencé à poser des questions pour me dire c'est une église protestante. Moi, j'étais fâché parce que moi, j'étais un bon petit Québécois francophone. J'ai été baptisé quand j'étais petit. J'ai fait ma première communion. J'ai fait ma confirmation. J'ai fait mes cours de catéchèse. Et moi, j'ai appris dans mes cours d'histoire que les méchants, c'est les Anglais, puis les Anglais, c'est des protestants. J'avais un problème. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi. Une église protestante, c'est qu'on vient de la réforme du 16e siècle qui protestait contre les dérives du catholicisme. Ça veut dire quoi? Vous savez, j'étais à Notre-Dame de Paris. Tu rentres là, c'est immense, c'est majestueux. Wow! Tu es là, c'est comme... Je comprends. Tu sais, il faut comprendre en même temps, là, c'est cathédrale pour... On construit quelque chose de glorieux pour représenter le Dieu glorieux. J'ai quelque part du respect pour ça. Et quand tu es là, du même coup, là, tu vois, il y a comme un paradoxe où c'est solennel, c'est comme « wow, c'est immense ». Puis à côté, tu as des machines où tu peux avoir des médailles porte-bonheur, où tu allumes des lampions, tu payes 2, 3, 5 euros pour que ta prière soit exaucée, puis tu peux faire dire des messes. Puis... Et c'est ça le problème. Le problème, le protestantisme, c'est à protester contre les papes qui disaient que tu peux gagner la bénédiction, tu peux mériter ton salut, il faut juste que tu travailles fort. Il y avait des indulgences à l'époque où les plus riches payaient pour passer moins de temps au purgatoire, puis les pauvres disaient, ben toi, tu vas être condamné parce que tu n'as pas d'argent pour acheter ton ciel. Puis à un moment donné, il y a des hommes et des femmes qui ont dit, assez, c'est assez. Et moi, je dis, il y a de mauvais protestants, il y a de bons catholiques, je ne fais pas une guerre de religion, je fais juste expliquer, on est où? Protestants, donc, on est revenu à la Bible. C'est la Bible seule. C'est-à-dire, dans cette Église, pourquoi j'ai toujours la Bible en main et je n'ai pas l'encyclique de Jean-Paul II dans ma main, c'est nous croyons que ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, c'est la parole de Dieu seulement. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un schisme. À partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont dit, si ce n'est pas dans la Bible, on ne le fait pas. Sola scriptura. Deuxième chose. Sola gratia. Quand tu retournes à la parole de Dieu, tu te rends compte que le salut, le pardon, la bénédiction de Dieu, tu ne le mérites pas, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. C'est pourquoi il y a des gens qui disent « Ah, l'Église, le portail, vous parlez beaucoup de la grâce. Wow, c'est rafraîchissant. Ça fait 400 ans que ça existe. On n'a rien inventé. » Et la foi seule, pas tes œuvres. La Bible dit qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Donc, une Église protestante, c'est quoi? C'est la Bible seule, la grâce seule, la foi seule. La troisième chose, nous sommes une église protestante évangélique. Ça veut dire quoi, évangélique? Évangélique, littéralement, bonne nouvelle. Il y a deux types d'églises dans le christianisme. Il y a des églises de multitude. L'église catholique, plusieurs églises protestantes, les luthériens notamment, où tu appartiens à l'église, tu deviens membre de l'église par ta naissance. Puis à un moment donné, il y a des hommes et des femmes qui ont dit « l'église de Jésus-Christ ». Tu n'appartiens pas à l'Église par ta naissance, tu dois expérimenter une nouvelle naissance. Et on est passé des églises de multitude et tu as des églises de professants. Une église catholique, c'est une église évangélique, c'est une église de professants, c'est-à-dire nous croyons qu'être chrétien, c'est une décision personnelle, une repentance personnelle, une foi personnelle, une conversion personnelle. Et nous sommes évangéliques dans ce sens-là. Pour nous, c'est important, c'est ta décision. Donc, un catholique non pratiquant, ça existe. Par définition, c'est impossible d'être un évangélique non pratiquant. C'est impossible d'être un évangélique non pratiquant. C'est un non-sens. Il y a des gens, tu dis, il y a des gens, puis tu n'es pas ici ce matin, il y a des gens qui disent, moi, je suis un évangélique, mais je ne suis non pratiquant, je ne vais pas à l'église, je ne veux rien savoir de l'église, tout ça. C'est correct, je te respecte, mais tu n'es pas un évangélique. Un évangélique non pratiquant, ça s'appelle un non-chrétien. Et je le dis avec respect, il y a des passes quelquefois, je comprends, et je m'adresse à ceux qui sont à la maison. YouTube n'est pas l'Église de Jésus. À la maison, c'est correct, on écoute les messages, il y a des passes à un moment donné, quelquefois on est blessé dans des églises.
On est dans des moments de transition, on cherche quelques semaines, ça va. Mais si ça fait plusieurs mois que tu n'as pas été à l'église, les messages du portail sur YouTube, ce n'est pas l'église. Tu dois te trouver une bonne église près de chez vous, une église qui prêche la Bible, qui prêche Jésus. Jésus va honorer, mais ça, tu as besoin des frères et des sœurs. Tu dois tuer l'église, va à l'église, sois l'église. Ça, c'est important. Donc, un évangélique, c'est quelqu'un qui vit la bonne nouvelle de Jésus dans toutes les sphères de sa vie. C'est pas une religion. Et c'est pourquoi, en passant, les églises de multitude vont dire, « T'es une bonne personne, puis t'as simplement t'es une bonne personne qui fait des erreurs et t'as simplement besoin d'être aidé. » Donc, si tu nais dans un pays christianisé, on te baptise, puis ça va bien aller. Lorsqu'on retourne à la Bible, il y a quelque chose de fondamental. La Bible dit que par naissance, tu n'es pas une bonne personne, tu es perdu. Pourquoi Jésus dit, « Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que j'étais Messie, parce que tu es mort, tout en toi est corrompu, tout en toi est opposé à moi, tout en toi soupire après le péché, le diable et le monde, tu veux rien savoir de Dieu. Si tu réalises que je suis Messie, c'est parce que c'est Dieu qui s'est révélé à toi. C'est la nouvelle naissance. » Et je termine là-dessus, la différence entre une église de multitude et de confessants. L'église de multitude dit, « Tu appartiens à l'église par naissance. » L'Église confessante évangélique dit « t'appartiens à l'Église par la nouvelle naissance ». Ça, c'est vraiment important. Donc oui, nous sommes une Église protestante évangélique. Et Jésus bâtit son Église. Pourquoi je prends le temps d'expliquer ces choses-là? Parce qu'il bâtit son Église avec des chrétiens engagés. Engagés, c'est vraiment important. Et regardez, pourquoi est-ce que Jésus a besoin de chrétiens engagés? Il dit « les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles ». Moi, j'ai entendu des pasteurs prêcher ce texte-là en disant, « Nous sommes l'Église et on doit tenir les portes alors que l'enfer veut rentrer dans l'Église. On doit barricader l'Église et protéger l'Église. » Mais non! C'est pas ça que le texte dit, c'est l'inverse. Le texte dit, et « Église » veut dire « appeler hors ». OK? Nous avons, lorsque tu deviens chrétien, tu vas à l'Église, tu deviens l'Église. L'Église, c'est la communauté, c'est pas le bâtiment, c'est les gens. C'est qu'on a été appelé hors de notre égocentrisme, hors de l'individualisme, hors du matérialisme, hors d'un style de vie d'hédonisme, hors du moralisme pour entrer dans le christianisme. On a été appelé hors du royaume de Satan, hors de la mort, hors du péché pour entrer dans le royaume de Jésus. Maintenant, mais quand on est sauvé, notre job première, c'est de retourner là d'où on vient pour partager ce qu'on a reçu. Vous savez, c'est comme il y a un feu. Je dis encore une fois, un évangélique non pratiquant, ça n'existe pas parce que Bonhoeffer va dire « celui qui croit obéit, puis celui qui obéit croit ». Et comme un exemple, j'ai déjà donné, si on vient me dire « Pasteur Guétan, il y a un feu ». Oui, oui, je crois, mais je ne bouge pas. En fait, je ne crois pas. Ma foi est démontrée par mes actions. Maintenant, imaginons, nous avons été tous sauvés par Jésus. Amen. Maintenant, ma job, je veux retourner. Je veux retourner. Souvent, les chrétiens, on est là, on était sauvés, on est dans le camion de pompiers. Là. Puis on se dit qu'on est, béni d'être sauvés. Hey, puis on est bien entre nous. Puis on commence à chanter des cantiques. Puis on fait des études sur comment est-ce qu'on pourrait sauver le monde. Puis on jase. Puis à un moment donné, même quelqu'un disait on devrait verrouiller les portes pour pas que le monde rentre dans le camion. On ne veut pas être le compromis. Puis on se dit dans le camion, on va gérer le camion, puis on va être pur dans le camion. Puis on oublie qu'un monde est en train de mourir et que notre job, c'est de retourner là d'où on vient et partager la bonne nouvelle de Jésus. Puis alors qu'on est dans le camion, puis on veut se faire croire que tout va bien, si on est honnête, là, ça sent la boucane. Moi, vous savez pourquoi? Je suis passionné, puis je me dis, notre Église, on doit continuer, puis on doit faire la mission. Pourquoi? Je sens la boucane. Je sens la fumée. La fumée de la chair, la fumée du péché, la fumée de la peur, la mort, c'est trop proche de moi. Je me rappelle trop d'où je viens pour rester où je suis tel quel. Puis on veut retourner. C'est pour ça que Jésus dit, allez, allez. Donc, la tâche de l'Église est de dépeupler l'enfer. Puis souvent, il y a des gens, peut-être, qui disent, ouais, ça c'est un beau slogan, dépeupler l'enfer, mais est-ce que moi, petit chrétien de Blainville, de Saint-Eustache, de Laval ou de Terrebonne, je peux vraiment faire une différence? Un jour, il y a un jeune homme qui se promène sur la plage, des étoiles de mer. Il se ramasse, puis il lance les étoiles, remet les étoiles de mer à la mer. Et il y a un vieil homme qui marche derrière lui.
trouve ça intéressant. Puis, à un moment donné, il rattrape le jeune homme et lui dit, « Hey, le jeune! » Oui? Il dit, « Est-ce que tu as l'impression vraiment, est-ce que tu crois vraiment que tu vas faire la différence? Regarde la plage. La plage, c'est des kilomètres. Des étoiles de mer, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Tu ne vas jamais réussir à toutes les remettre à l'eau. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux faire la différence? » Et le jeune homme regarde l'étoile de mer, la lance à la mer et dit, « Pour elle, ça fait la différence. » Puis dépeupler l'enfer, là, c'est un grand slogan pour dire, « Mais en fait, une personne à la fois, une vie, ça compte. » Puis quand on parle de 10 000, là, c'est un rêve fou, là. Le but, là, c'est pas de dire, « Hey, on est 10 000 dans le camion. » Ouh! Non, c'est 10 000 personnes qui passent de moins, qui passent leur éternité sans Jésus. Donc, encore une fois, notre tâche, c'est de dépeupler l'enfer. Et regardez, et là, j'arrive vraiment dans du plus concret, même si j'étais quand même assez concret. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Hier, ma fille commence à conduire, hier, je lui ai donné les clés. Oh, hallelujah! Tout à coup, le Saint-Esprit l'a saisi, la maturité. Les clés, c'est quoi? Les clés, dans la Bible, c'est le pouvoir. Et là, il y a des gens, vous êtes un peu allergiques, et j'imagine pas au portail, mais dans notre culture, on est allergique à l'autorité, on est allergique à l'Église, on est allergique à beaucoup de choses. Puis je veux juste régler deux, trois trucs, du moins, redresser ou corriger deux, trois mauvaises perceptions. Premièrement, qui est en fait la quatrième vérité que Jésus enseigne sur l'Église. L'Église est l'ambassade terrestre du royaume céleste de Jésus. Jésus a surtout parlé de son royaume dans les évangiles. Paul s'est occupé de l'autre côté. L'apôtre Paul a surtout parlé de l'Église dans les épîtres. Mais encore une fois, l'Église et le royaume, c'est lié. Ce n'est pas la même chose. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. L'Église est la représentante du royaume de Dieu sur cette terre. Le portail est une ambassade du royaume de Jésus à Laval et à Terrebonne. C'est quoi une ambassade? L'ambassade, c'est la représentation d'un État au sein d'un autre État. Jésus a dit les choses suivantes sur son royaume. Il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un royaume céleste. » Jésus a dit, « Le royaume ne viendra pas de telle manière que vous puissiez dire, il est ici ou il est là, il est déjà au milieu de vous. » Jésus a enseigné que son royaume est céleste et que son règne est spirituel. Paul va dire, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. » Le royaume de Jésus est quelque chose de spirituel. C'est tellement spirituel que Jésus a dit, « Si une personne ne naît pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. » Pour expérimenter le règne spirituel de Jésus, tu dois expérimenter, expérimenter une expérience spirituelle. Tu dois naître de nouveau. Et Jésus nous a enseigné de prier que ton règne vienne. Jésus a dit que le royaume, c'est tellement important qu'il a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice et tout le reste sera donné par-dessus. Le règne de Jésus, c'est fondamental. Jésus est venu établir son règne. Tu dis, Jésus est venu me sauver. Ton salut fait partie du règne du royaume de Jésus. C'est tellement plus grand. Maintenant, Jésus en a beaucoup parlé. Et l'apôtre Paul, et on le voit, Jésus donne, va mettre une semence sur l'Église. Mais l'apôtre Paul va développer que l'Église est l'ambassade de ce royaume. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. Lorsque vous allez à Paris, il y a l'ambassade du Canada. Vous vous promenez, vous êtes en France. Mais lorsque vous arrivez là, c'est la représentation du pouvoir de l'État canadien. Une église, c'est la représentation du pouvoir du règne de Jésus dans une terre étrangère. Paul a dit, notre patrie, notre véritable patrie n'est pas sur cette terre, elle est dans les cieux. Paul a dit, sur cette terre, nous sommes des résidents étrangers, nous sommes en exil. Le chrétien, lorsque tu mets ta foi en Jésus, ta citoyenneté première, le chef de ton État, n'est pas Donald Trump, n'est pas Justin Trudeau, c'est Jésus-Christ. Donc, une ambassade, c'est quelque chose de très important. Et l'Église est l'ambassade du règne de Jésus, du gouvernement de Jésus. Et comme dans tous les États,
une représentation d'un État dans un autre État, d'un gouvernement dans un autre gouvernement, il y a des règles différentes. Il y a des lois différentes. Lorsque nous sommes dans l'ambassade ici, nous proclamons que le plus beau des standards n'est pas ce que nos gouvernements peuvent dire, même si c'est des choses très légitimes, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, notre loi première est la parole de Dieu. D'une nation à l'autre, il y a des valeurs différentes. Nous avons la valeur de la grâce. Nous croyons que tout a toujours rapport avec Jésus. D'une nation à l'autre, il y a des coutumes différentes. Lorsque j'étais à Paris, vous savez, à un moment donné, je me suis rendu compte, on vient me chercher deux pasteurs, on me dépose à l'hôtel, je les salue, et les deux pasteurs se saluent et se font la bise. OK. Et là, à un moment donné, on vient me chercher quelques jours plus tard, et j'arrive, et là, je vois, c'est un autre pasteur qui vient me chercher, puis je le vois, un gros costaud, il vient vers moi, mais très déterminé à me saluer. Et là, je ne sais pas à quoi m'attendre, et là, je suis comme... Puis là, il me prend, et là, il m'embrasse. Il me fait la bise. Et là, je suis comme... Oh, OK. On est rendu là. Et pour nous, en Amérique, c'est comme, oh, OK. OK, là plus je me dis, OK, à Rome, tu fais comme les Romains. En France, tu fais comme les Français. OK. Là, je me dis, je dois m'adapter. Et là, j'arrive. Puis là, à un moment donné, j'arrive dans l'endroit, on s'en va à Amiens, puis on passe la Normandie, là, on est en Picardie, puis je rentre. Puis là, à un moment donné, des gens, puis du monde que je connaissais déjà, puis là, lui vient me voir, il sait que je suis Québécois, donc on se fait le hug, très viril, c'est fait. Puis là, il me présente ses amis, mais ses amis ne savent pas qu'on ne fait pas ça au Québec. Puis là, là, je me fais embrasser par trois barbus. Et là, toute ma résistance commence à c'est comme... Je me dis, OK, ça va être long. Et là, à la fin d'avoir prêché, vous savez, moi, je crois beaucoup quand tu prêches. Tu sais, quelquefois, c'est facile de prêcher puis d'être dynamique, puis d'aller se cacher. OK, moi, je prêche, je crois que tu dois... Les gens sont là, le peuple te permet, te donne le privilège de les enseigner. Tu dois être là pour assumer, juste comme, pas juste assumer, mais d'être là, pas juste prêcher, disparaître. Donc, fini de prêcher, je suis là, et là, ça passe. Et il y a deux choses. Premièrement, vous savez, moi ici, les femmes, je commence pas à embrasser les femmes à l'église, parce que si tu le fais à une, il faut que tu le fasses pour les 500 autres. Non, mais sérieusement, pourquoi je le fais pas? C'est comme, dans d'autres contextes où on est quelques-uns, ça va, mais à l'église, si je fais à une, je ne le fais pas à l'autre. Là, pourquoi à un, pas à l'autre? Là, à un moment donné, c'est compliqué. C'est compliqué, pasteur. Sérieux, là? Fait que là, c'est comme... Là, je suis à la porte, fait que là, les filles, comme, OK. Mais là, les gars arrivent. Là, j'ai à peu près 100 gars. Comme... Là, à un moment donné, je suis juste comme... Je veux m'en aller au Canada. Mais encore une fois, culture différente. Et quelquefois, on se sent un petit peu comme ça, le chrétien, on vit dans le monde, puis c'est comme, oh, c'est pas un monde chrétien, c'est pas un monde qui a des valeurs chrétiennes, c'est pas un monde qui honore Jésus, qui honore la Bible, puis des fois, on est comme, oh! Mais on est dans ce monde, puis on doit représenter Jésus dans ce monde. Amen. Et c'est pour ça qu'on veut implanter des sites de l'Église de Portail. Pas parce qu'on est meilleur que d'autres, c'est juste qu'on veut faire notre part, puis on veut qu'il y ait plus d'ambassades de Jésus. Et Jésus va dire autre chose. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et là, souvent, des gens qui ont appliqué ça au combat spirituel, la Bible parle du combat spirituel, mais pas là. Non, ça n'a pas rapport. Ce qu'on parle ici, lier, délier, c'est une expression rabbinique de l'époque pour dire, déterminer, d'avoir le pouvoir de déterminer ce qui s'applique ou pas. Donc, Jésus est en train de dire, je bâtirai mon église et à cette église, je vais donner l'autorité spirituelle sur la terre que j'ai instituée dans le ciel. Donc, l'église est l'autorité spirituelle sur la terre instituée par Jésus dans le ciel. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est le pouvoir de décider. Maintenant, comment fonctionne l'autorité à l'église de Portail? Ça veut dire que chaque église, nous avons une liberté de décider ce qui s'applique ou pas. On ne parle pas des croyances fondamentales. Si une église arrive ou un pasteur dit que Jésus n'est pas sauveur, il n'a pas le droit de décider, c'est un hérétique. C'est une mauvaise église, c'est une secte, sors de là. Maintenant, sur les éléments secondaires, nous avons la liberté de décider. Nous, au Portail, on peut décider qui prend la communion ou pas. La dernière fois qu'on a pris la communion, il y a plusieurs personnes qui arrivent de différents endroits disent
on est un peu surpris où on vient, il fallait être baptisé. Puis vous, il ne faut pas être baptisé. Non, on a le droit de décider. Chaque église, Jésus n'a pas dit, n'a pas donné les règles. Jésus a dit, voici, faites ceci en mémoire de moi. Chaque église est libre de décider dans quel contexte. Nous, on croit, étant donné qu'on n'a pas des baptêmes à toutes les semaines, si quelqu'un naît de nouveau, on ne voit pas pourquoi on pourrait lui refuser le repas du Seigneur jusqu'au prochain baptême, puisqu'on dit, prends le repas du Seigneur, mon prochain baptême, fais-toi baptiser. Donc, nous avons la liberté, l'autorité de décider qu'un pasteur peut prêcher en jeans. Nous avons la liberté de décider, nous avons l'autorité, quelle est notre vision, qu'est-ce qui est important pour nous, ainsi de suite, quelle est notre structure, qui on marie. Donc, c'est des éléments, nous avons, Jésus nous a donné cette autorité-là. Maintenant, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Comment ça marche dans l'Église? Dans plusieurs églises, le pasteur a tous les pouvoirs. Et ça, c'est mal. Et c'est aussi mal d'avoir une église où le pasteur n'a aucun leadership, aucun pouvoir. Moi, je crois très humblement qu'en tant que pasteur principal, je suis la personne dans l'église. Et Jésus a tout pouvoir, personne n'a tout pouvoir. Mais dans l'église, dans le pouvoir, l'autorité déléguée, je pense que je suis la personne qui a le plus d'autorité. C'est-à-dire, je peux décider des choses. Je n'ai pas besoin de demander la permission pour tout. Il y a des choses que je peux décider, je peux prendre des initiatives, je peux corriger. Pourquoi? Parce que c'est ma job, c'est mon appel, je suis pasteur principal. Mais je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas m'octroyer un bonus. Je ne peux pas me payer un jet privé. Je ne peux pas prêcher en maillot de bain. Je ne peux pas commencer à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai une équipe pastorale. Si je prends, j'ai 7 pasteurs, si je prends 7 personnes sur l'équipe pastorale, si je prends un pasteur, moi avec un pasteur, je pense que c'est mon idée qui va passer. Si j'ai 2 pasteurs qui sont contre moi, ah, OK, je vais travailler, mais je pense que mon idée peut passer. Si j'en ai 3 contre moi, là, je commence à pédaler. Puis il m'est arrivé quelquefois d'avoir, hey, j'ai une super idée! Puis les 7 disent, non, c'est une mauvaise idée. Ben, je ne le fais pas, la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Puis souvent, il y a des choses à l'Église qu'on présente. Est-ce que vous savez qu'avant de vous les présenter ici, il a fallu convaincre 15 personnes? Parce que même l'équipe pastorale n'a aucun pouvoir sur les budgets. Ils n'ont pas l'autorité de s'accorder des salaires. Moi, je ne décide pas mon salaire. On n'a pas, je ne peux même pas me faire un chèque. Je ne peux pas prendre de l'argent. Ça, on ne peut pas faire ça au portail. Nous avons un conseil d'administration qu'on appelle les diacres que vous avez voté. Donc, nous, souvent, les pasteurs, on peut dire, oh, on a une super idée, les pasteurs s'occupent du volet spirituel, les diacres de l'aspect administratif. Nous, on peut dire, wow, on a un super projet, on va faire une croisade d'évangélisation, on va emmener des gens à Jésus, ça va coûter 200 000, alléluia! Les diacres vont dire, non, ça ne va pas prendre 200 000, on n'a pas 200 000 pour faire une croisade d'évangélisation. Donc, les diacres vont décider. Et ce qui est intéressant, c'est que même les diacres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'on a un comptable. Hey, c'est compliqué. Mais moi, je suis fier de cette église parce que justement, il y a tellement de garde-fous, l'autorité est tellement déléguée que tout tient ensemble et personne n'a plein pouvoir. Et le comptable a aussi un code de déontologie. Et même moi, en tant que pasteur principal, si je commence à prêcher des choses, si je commence à prêcher des niaiseries, je vais recevoir des appels. Moi-même, si j'ai des collègues, parce que vous savez, on est pasteur, moi je crois que l'appel, tu es pasteur d'une église, mais je suis pasteur pour le royaume de Dieu. Donc, il m'arrive quelquefois d'utiliser mon autorité envers d'autres collègues pour juste comme, « Hey, est-ce qu'il y a moyen de faire les choses différemment? » Un jour, un diacre d'une autre église me dit, là, on a un pasteur qu'on va embaucher, là, puis là, on va le mettre à notre main. Ça va marcher comme on veut. Je dis ça, c'est mal ce que tu fais. Parce que le pasteur n'est pas ton employé. Ta job, c'est de soutenir, de prier ton pasteur, de prier pour ton pasteur, de l'épauler, de faire de lui un meilleur pasteur. Puis il m'est arrivé de dire à des pasteurs, ce que tu fais, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu as trop de pouvoir. Tu n'es pas assez transparent. L'autorité dans l'Église, ça ressemble à quoi? On peut mettre l'image. Au portail, c'est un peu cette image. Tout tient. Et savez-vous pourquoi ça marche au portail? Parce que tout le monde qui a du pouvoir cherche les intérêts de Jésus avant ses propres intérêts. Fait qu'on est tous dans la même équipe pour le royaume de Dieu. Et Jésus a délégué un pouvoir à son Église. Et je veux juste dire en passant, vous savez, la semaine prochaine, pour Laval et cet après-midi pour Terrebonne,
Nous allons avoir notre réunion d'affaires annuelle où on veut voter deux diacres. C'est quoi un diacre? C'est quelqu'un qui a une influence spirituelle, mais qui s'occupe essentiellement de l'administration. Donc, on a besoin, on aimerait présenter quatre candidats. On demande que les gens soient membres depuis 3 ans. On demande que ce soit des gens spirituels, des gens qui n'ont pas d'agenda caché, ils ont pas, des gens qui sont là pour servir, des gens qui veulent travailler en équipe, puis des gens qui savent minimalement gérer un budget. Si à la maison, c'est ta femme ou c'est ton mari qui s'occupe du budget parce que tu n'es pas capable de le faire, bon, mais peut-être que tu n'es pas appelé à être diacre. OK? Mais on a besoin, et j'aimerais, à chaque fois, les gens, vous savez, souvent les bons diacres vont être réticents à s'avancer eux-mêmes. Si pendant que je te parle, il y a comme quelque chose qui est un petit pop-up dans ton cœur, je te demande de prier sérieusement là-dessus. Tu as amplement de temps, il te reste 24 heures. Et prendre le formulaire. Mais c'est quelque chose, encore une fois, on veut des hommes et des femmes spirituelles, et je le mentionne au portail, les femmes peuvent être diaconesses également. OK? Donc, mais c'est vraiment important. Donc, on est toujours dans le domaine de l'identité. Et je termine avec ceci. L'Église a l'autorité de reconnaître les membres qui représentent vraiment Jésus. Si nous sommes une ambassade, l'apôtre Paul dit « Soyez ambassadeurs de Christ ». Si l'Église est une ambassade, le portail est une ambassade, nos membres, nous déclarons que ce sont des ambassadeurs de Jésus. On les reconnaît. Lorsqu'à un moment donné, une soirée, ma femme et moi, on était dans un bistrot et on entend quelqu'un parler en québécois. Douce musique à nos oreilles. Là, c'est un jeune qui est là, peut-être dans la vingtaine, puis il parle avec deux filles. Là, je le vois, puis mais vraiment, le gros accent québécois, là, puis il parle comme un Québécois, il s'exprime comme un Québécois, il pense comme un Québécois, c'était vraiment drôle. Et à un moment donné, je dis, « Hey! » Plein de gens, plein de compassion et de gentillesse, « Hey, toi! » Je dis, « Tu viens d'où? » Je dis, « Ben, je viens de Montréal. » Et là, les filles nous regardent, puis là, se disent, « Hey, il y en a d'autres qui parlent comme lui. » C'est drôle parce que le jeune était là pour étudier, puis il me regarde les yeux pleins d'eau comme « Tu peux pas savoir comment ça me fait du bien de t'entendre. » Représentant du Québec. Lorsque nous, on déclare au portail, la dernière étape, après tout ce que j'ai mentionné, c'est de devenir membre de l'Église. Et membre de l'Église, c'est qu'on, ce qu'on fait, on te reconnaît comme étant un citoyen des cieux. On te reconnaît comme étant quelqu'un qui représente Jésus. Et ça, c'est intéressant parce que Jésus va dire justement que l'Église a l'autorité de le reconnaître. Je ne lirai pas, mais si vous allez deux chapitres plus loin, Matthieu 18, Jésus va parler au verset 18, de délier, de délier, il va dire, si tu as un frère qui ne se comporte pas comme un frère, comme un chrétien, ne le considère pas comme étant un membre. Ça veut dire quoi? OK. C'est quoi ça? Un passeport. Quand j'ai reçu mon passeport, est-ce que ça a fait de moi un Canadien? Non. J'étais Canadien bien avant. Le passeport reconnaît que je suis citoyen canadien, ne me fait pas citoyen canadien. Être membre d'une église locale ne fait pas de toi un citoyen des cieux, c'est simplement qu'on reconnaît que tu es un disciple de Jésus et que tu marches comme un disciple de Jésus. Et c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, pour avoir ce passeport, 3 choses. Premièrement, je dois être citoyen canadien, je dois respecter un certain standard et je dois en faire la demande. Pour être membre au portail, tu dois être né de nouveau, Jésus doit être ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois répondre à certains critères, un certain standard minimal. Et tu dois en faire la demande. Des gens qui disent, mais pasteur Guétan, moi ça fait 10 ans que je viens à l'église, est-ce que je suis membre? Non. Pasteur Guétan, je donne depuis 5 ans, est-ce que je suis membre? Non. Tu peux payer tes impôts au Canada, t'as pas de passeport, il faut que tu fasses ta demande. Pasteur Guétan, j'ai été élevé dans l'Église, j'ai 18 ans, est-ce que je suis membre? Non. Tu dois en faire la demande. C'est vraiment, vraiment important. Et lorsque tu deviens membre de cette Église, nous reconnaissons que tu es un ambassadeur pour Christ, que tu représentes Jésus, que tu es un membre. Et en passant, moi, là, j'ai été toujours réticent à parler de membre d'Église. Pourquoi? Je trouve que ça fait trop Costco. Ça fait Costco, membre d'Église. Mais en fait, à la base, membre, c'est nous sommes membres du corps de Christ.
Costco nous a piqué le concept. Mais un membre, c'est un membre spirituel, c'est-à-dire je contribue à l'ensemble. Et comme pour tout passeport, être membre a ses privilèges et ses responsabilités. Si vous êtes toujours là, dites Alléluia! Quels sont les bénéfices d'être membre de l'Église de Portail? Plusieurs années, une dizaine d'années, non, 15 ans, je suis en Haïti, à Port-au-Prince, à l'aéroport. L'avion ne se présente pas. J'ai un groupe de jeunes avec moi. Finalement, on apprend que la compagnie aérienne a fait faillite. Oui, oh, maison, oh! À l'aéroport de Port-au-Prince, avec une gang de jeunes, je ne me sens pas très bien. Pas d'hôtel, le missionnaire nous a laissé là et est reparti. Et là, je suis là, j'ai des jeunes filles qui sont avec nous, c'est comme, t'es là, là, à l'aéroport de Port-au-Prince, tu ne sais pas où coucher. Et là, j'ai appelé au Canada, là, j'ai dit à mes proches, appelez l'ambassade. Là, les gens disent, oh, on essaie, t'essayes pas, t'appelles l'ambassade. Tu dis à l'ambassade d'envoyer quelque chose. Envoyer un canot, un avion, envoyer un autobus, venez nous chercher. Et finalement, l'ambassade a envoyé un avion, puis on nous a rapatriés. Wow! Vous savez, l'Église, on est là pour ses non-membres. Mais il y a une réalité, quand tu es membre, il y a des bénéfices. Quels sont les bénéfices d'être membre de l'Église de Portail? Bien, juste la reconnaissance spirituelle d'être un représentant de Jésus, c'est beaucoup. OK, moi, je suis fier de mon passeport, mais je suis encore plus fier d'être membre de l'Église de Jésus. Qu'il y a une reconnaissance officielle d'une réalité spirituelle. Un sentiment d'appartenance à la famille de Dieu. Troisièmement, ça te donne de l'influence au sein de cette Église. Ça te permet d'enseigner, ça te permet de diriger. Si tu aspires au leadership, tu sors de l'influence. Si tu veux enseigner, la moindre des choses, c'est qu'on te connaisse et qu'on soit tous sur la même ligne, tous d'accord. Donc, c'est un grand privilège. Ça te donne le droit de parole et le droit de vote lors des réunions d'affaires. Et ça te donne aussi un rabais sur certaines cérémonies qui coûtent de l'argent, un rabais en tant que membre. Et si tu deviens membre juste pour avoir un rabais, ça, c'est cheap. Moi, je te parle de choses spirituelles. Donc, il y a plein d'avantages. Si vous êtes d'accord avec moi, dites « Amen ». Ne serait-ce que d'être déclaré ambassadeur de Christ par mes frères et mes sœurs, mais en même temps, il y a des responsabilités. On demande quoi à nos membres? On demande premièrement d'avoir décidé de suivre Jésus. On te demande d'adhérer à notre vision, à nos croyances. Il y a plein d'églises locales et on veut dire, moi j'adhère à cette église au portail. Deuxièmement, on te demande d'avoir été baptisé dans l'eau. Tu dis, oui, mais moi je ne suis pas baptisé puis je veux devenir membre. C'est pas compliqué, fais-toi baptiser lors du prochain baptême et deviens membre. Quelqu'un dit, mais moi je ne veux pas être baptisé, mais je veux devenir membre. Ben, tu ne peux pas devenir membre. Pourquoi? Ben, il y a une inconséquence. Tu ne veux pas t'afficher avec Jésus, donc ça va ensemble. Trois, tu t'engages. Et là, c'est des engagements de cœur, on ne vérifie pas, mais un membre s'engage à servir dans son église. Est-ce que vous croyez qu'un membre doit servir? Un membre s'engage à être assidu aux réunions de l'église. Si tu dis, mais moi, je veux juste venir une fois ou deux mois à l'église, bien, c'est correct, mais tu n'es pas membre. C'est correct, mais en même temps, ne prétends pas être un véritable chrétien qui bâtit l'église de Jésus, mais tu es toujours le bienvenu. Toujours le bienvenu, tu dis, oui, mais moi, je veux un passeport, mais je ne veux pas remplir le formulaire. Mais c'est ça, tu n'as pas de passeport. Donc, quelqu'un dit, mais moi, j'invite. Donc, je m'engage à représenter Jésus dans mon entourage. Je m'engage à prier pour mon Église. Je m'engage à conformer ma vie à la parole de Dieu. Tu dis, non, mais moi, je veux trois femmes dans ma vie. C'est correct, tu ne seras pas membre. Pourquoi? Ben parce que ta vie est contraire à tout ce que Jésus enseigne. Donc, on ne va pas déclarer que tu es un ambassadeur de Jésus. Donc, il y a un minimum. Est-ce que ce n'est pas des gens, c'est pas être membre n'est pas un saut de sainteté. Personne n'est parfait. C'est simplement des hommes et des femmes ordinaires, pécheurs, qui ont besoin de la grâce de Dieu, mais qui disent, je vais faire mon possible pour suivre Jésus. Je vais être sérieux dans ma marche. Et finalement, c'est quelqu'un qui s'engage à soutenir financièrement son Église. Quelqu'un dit, oui, mais moi, je vais prier. Merci, mais Hydro-Québec a besoin d'un chèque, pas juste de prière. Vous savez, si le Canada et le Québec nous disaient, pour les impôts, les taxes, là, donnez ce que vous voulez. Alléluia. Moi, j'aimerais ça. C'est sûr que je donnerais moins. Là, les gens disent, mais est-ce que ça fonctionnerait? Non.
OK, mais ce qui est drôle, le royaume de Jésus fonctionne comme ça. On dit aux gens, soutiens ton église, on ne va pas aller vérifier ça. Mais juste un engagement de cœur de réaliser que l'église a besoin de prière, mais en même temps, oui, l'argent est le nerf de la guerre, puis oui, il y a des services qu'on veut offrir, puis un bâtiment, puis il y a des gens, puis on veut... Puis oui, il y a de l'argent, là, on n'est pas naïf, ça coûte quelque chose, puis je ne suis pas matérialiste, je réalise que je veux être un intendant des dons que Dieu m'a donnés, mais également de mes finances que Dieu m'a entre mes mains, et je veux que mes finances servent à l'avancement du royaume de Jésus. Est-ce que c'est mal, ça? Mais quelqu'un qui dit, mais encore une fois, c'est libre. On donne ce qu'on veut, mais des gens qui vont justement, qui vont le prendre à cœur. Et je termine. Donc, faire quoi? Deux choses. Si ce matin, encore une fois, je te parle, tu dis, hey, c'est vrai. Moi, je suis un chrétien, puis il faudrait que je passe à l'autre étape. Je vais être un disciple et je réalise que je dois m'engager envers mon église. À la fin de la réunion, on a un kiosque à l'arrière. À Terrebonne, vous sortez, vous allez dans une table, prenez un formulaire, vous allez le remplir, vous le remettez au comptoir. Un pasteur va vous contacter pour une rencontre d'une demi-heure. Ça va des deux côtés, on répond à vos questions, puis on veut connaître nos brebis. Le proverbe dit, connais ton troupeau, donne des soins à tes brebis. Donc, on est là pour vous servir, on veut connecter. Et ensuite, lorsque le pasteur a terminé, puis c'est assez fondamental, assez élémentaire, on reconnaît que vous êtes né de nouveau, vous adhérez à l'Église, vous vous engagez à bâtir l'Église de Jésus, à représenter Jésus. On amène ça, on présente ça à l'équipe pastorale pour information et conseil d'administration qui va, les diacres qui vont, à chaque meeting qu'on a, on présente 10-15 demandes de nouveaux membres, les gens regardent, on le passe, puis c'est approuvé. Et vous êtes reçu comme membre simplement. Et une des choses qu'on veut faire, on veut le valoriser, donc on veut publiquement afficher les nouveaux membres. Moi, je suis reconnaissant dans cette église, sur une moyenne d'assistance hebdomadaire de 1450, nous avons 700 membres. Donc, merci pour ces membres qui ont bâti l'église au travers des années. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Merci. C'est vous. Je sais que je l'ai dit trois fois, mais permettez-moi de dire, je termine avec ceci. Le problème du chrétien de notre génération, c'est que trop de chrétiens sont en concubinage spirituel avec l'Église. Les gens, t'es ici, je t'aime, là. Si tu me reconnais comme ton pasteur, je vais te dire avec amour, tu es en concubinage spirituel avec l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux tous les bénéfices de l'Église sans t'engager envers l'Église. Tu veux être là, tu veux les services pour tes enfants, tu veux une bonne réunion, tu veux qu'on prie pour toi, tu veux qu'on t'enseigne. Si un besoin, tu veux rencontrer un pasteur, puis on regarde pas si les gens sont membres, on est là, on rencontre des non-chrétiens. Mais tu vas chercher des services, c'est correct. Puis il y a des gens, là, tu peux venir à l'Église pendant 20 ans, jamais rien donner, pas t'impliquer, rien faire, puis on ne va jamais, tu vas toujours être le bienvenu. Mais je parle à ceux qui veulent être sérieux avec Jésus, qui réalisent que Jésus est tellement grand, tellement bon, qu'il mérite d'être servi et d'être suivi sérieusement. Donc, à toi qui réalises, arrête d'être en concubinage. Engage-toi envers l'Église. Ça fait pas mal. Tu vois, Jésus va te bénir. Parce que cette Église, souvent, on voit, c'est une affaire d'homme. On va peut-être te surprendre, mais Jésus est venu sauver des hommes. Il nous sauver des humains faillibles, pécheurs. C'est ça, l'Église. Et dans ta marche, il a donné l'Église pour une œuvre de sanctification et de croissance dans ta vie. Mais il faut que tu t'engages. Et c'est le dernier disciple. Le disciple de Jésus s'engage envers son Église locale. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?